Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochains préférés, Afrique EV. Aujourd'hui, on pour une nouvelle partie d'information, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons le gouvernement qui débloque plus de 100 milliards de francs CFA pour le développement du pays. Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé d'investir massivement dans le développement du pays. Il a décidé en Conseil des ministres d'injecter plus de 100 milliards de francs CFA dans 13 projets. Dans les détails, près de 40 milliards de francs CFA seront investis pour la sécurisation et la traçabilité des labels au Burkina Faso. Plus d'un milliard de francs CFA serviront à la réhabilitation des infrastructures du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou à -Ciao et de l'immeuble de l'ex-Uruba à Bréché, union révolutionnaire des banques. Le gouvernement va aussi débloquer plus de 70 milliards de francs CFA pour la Société Nationale Burkinabé d'Irokabu abréger son habit. Cette grosse somme servira en partie dans la construction d'un nouveau siège pour la dite société. Une autre partie des 70 milliards servira à la construction de deux de dépôts et du centre de, de, de transit de Bingo. En outre, le gouvernement puisera dans cette somme pour l'audit complète du système de déportage de la Sonabie et l'acquisition d'équipements spécifiques. Ce financement est également destiné à la réhabilitation des travaux de transformation des deux bars en réservoirs. De carburant à la sécurisation des sites de la Sonabie, à la réhabilitation des bâtiments du siège actu, actuel et à l'acquisition de six encres ambitieux en contenu. Enfin, plus de 4 milliards de francs EFA ont été alloués au renouvellement. Au renouvellement, pour moi, du parc automobile de la société burkinabé des fibres textiles abrégées, Sophitex, notant que la mise en œuvre de ce projet contribue à la croissance économique et au développement du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un grand de vouloir se diriger vers une souveraineté et un très grand développement qui doit marquer tous les pays du Sahel. À nous, nous avons plus de 105 milliards de francs CFA qui sont destinés au, à l'entretien du développement du pays. Au Burkina Faso, le gouvernement de la transition entend venir en aide aux entrepreneurs. En effet, le vendredi 15 mars 2024, le gouvernement burkinabé a procédé au lancement du projet d'appui à l'entrepreneuriat. Ce projet, dénommé Ecotech, d'un montant de 105 milliards de francs CFA, a accompagné le développement des compétences et à l'adoption de la technologie. Dans un contexte de crise de sécurité difficile que traverse le Burkina Faso, ce projet du de gouvernement devra permettre à faciliter l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises abrégées MPM. Entendu sur une durée de six ans, de 2023 au pour moi à 2029, cette initiative de l'État a touché 18 000 élèves et apprenants. Notons que ce projet de grande importance a connu une importante participation de la Banque mondiale. Des, 100, des 105 milliards de francs CFA de l'institution financière internationale a contribué à une haute de prix de 98 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso a quant à lui... Injecté 6 milliards de francs ce fois dans ce projet. À travers ce projet, le gouvernement réaffirme sa volonté à bâtir un secteur privé complétif à travers l'adoption de la technologie, le développement des compétences et la mise à disposition d'une main-d'œuvre mieux formée, a déclaré le ministre en charge des petites et moyennes entreprises abrégées PME. Serge Pouda. Le ministre soutient que le secteur privé constitue le principal pourvoyeur d'emplois et estime qu'il est également créateur de richesse au Burkina Faso. À ce titre, il pense qu'il est important d'adapter la formation professionnelle aux besoins des entreprises. Ecotech contribue à créer un environnement propice aux affaires et à la promotion des investissements vers travers l'accompagnement et le financement de plus de 2000 PME. A-t-il assuré Eh bien, les amis, telle est la situation présentée du côté du Burkina Faso. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette suggestion, car moi je trouve que c'est une idée mieux réfléchie et mieux romantique. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge en bas votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. A très bientôt les amis, bye bye.